Je suis Gossé Voisin Patrice de Poulie Élevage. Nous sommes au Sahara et nous sommes vraiment très heureux de participer à cette édition et nous vous invitons tous à venir visiter notre stand. Nous sommes à Poulie Élevage spécialisés dans l'alévinage. Donc nous présentons des alévins de Macharon, des alévins de tilapia gris, les tilapia rouges, les hétérotis et les silures. Ça c'est en matière d'alévinage ce que nous proposons. Et en matière de poissons marchands, nous avons les différentes espèces que nous avons citées en poissons marchands. Et notre innovation, ce que nous voulons que les Ivoiriens découvrent, ou bien tous les visiteurs découvrent, c'est la protéine à base des larves de mouches soda noires. C'est une innovation, c'est la protéine du futur et nous voulons que chaque Ivoirien découvre, ou bien chaque visiteur découvre cette protéine-là à travers notre stand. Donc nous avons les larves séchées de mouches soda noires. Nous avons aussi la farine et puis nous avons le compost qui est fait à partir de ces mouches-là. Ça, c'est les larves et nous avons les larves séchées. Voilà, ces larves-là qui sont vivantes, elles vont arriver à maturité. Nous allons les sécher et les emballer ainsi. Voilà, donc nous avons ici les larves séchées et nous pouvons donner ces larves-là directement au poulet, au silure, à toute la volaille. Ils en raffolent. En dehors de ça, nous avons la farine que voici, la farine de ces mouches séchées-là, des larves séchées. Et cette farine, c'est de la protéine, ça rentre dans la composition de l'aliment, du poisson et de la volaille. Donc c'est ce que nous proposons, nous appelons tous les visiteurs, tous les participants, tous les visiteurs de cette édition de Sahara à visiter notre stand. Effectivement, en dehors des produits que nous avons présentés, nous avons le volet formation. Nous formons des jeunes, tous ceux qui veulent acquérir cette technologie-là, cette production de la protéine à partir des mouches soldats noirs. Nous faisons une formation et nous les accompagnons. Nous mettons à leur disposition un kit après formation pour pratiquer ce que nous leur avons appris. Donc nous les accompagnons, nous les suivons jusqu'à leur première production.